Alors, si on va sur un site qui est sécurisé, donc vous savez bien avec le HTTPS, le petit cadenas, etc., quand on commande sur ce type de site, en principe, les données qui circulent sont cryptées. Donc, ce n'est en principe pas dangereux de commander avec sa carte. C'est en principe sécurisé. Ce qui est dangereux, en fait, c'est plutôt de donner ses coordonnées bancaires quand on reçoit des mails ou autres sur ce genre de choses. Mais un achat sur Internet sur un site sécurisé n'est en principe pas dangereux. Est-ce qu'au contraire, c'est conseillé de payer avec sa carte? Alors, si on veut bénéficier parfois de certaines garanties, oui, il faut payer avec la carte. On n'a pas le choix de toute façon. Et il y a quand même certains mécanismes légaux qui permettent après, des fois, de pouvoir justement récupérer une somme d'argent en cas de problème. Globalement, il est quand même déconseillé d'enregistrer ses coordonnées bancaires comme ça de la carte sur le site. Même si le site est sécurisé, etc., on n'est jamais à l'abri que le site soit piraté, que les données quand même finissent par fuiter. Le risque est assez faible, mais on a déjà vu que ça pouvait arriver par le passé. Donc voilà, l'idéal, c'est de refuser. Après, il faut quand même citer qu'il y a des sites qui ne laissent pas le choix. Par exemple, vous faites une commande sur Amazon, il enregistre automatiquement la carte et c'est la galère pour l'enlever, hein, une fois qu'on a commandé. Donc ne pas le faire, et si les sites imposent la solution, essayez de privilégier plutôt un autre site si on a le choix.